Chérie, peux-tu ouvrir la radio, s'il te plaît? Ça va être l'émission avec le gars de l'UMQ qui est venu nous voir à l'hôtel de ville hier. Les enfants, pouvez-vous ranger vos jeux vidéo pour une fois? Les municipalités sont devenues des incontournables au plan économique, culturel et social. De véritables chefs de file du développement. À elles seules, elles investissent près de 16 milliards de dollars par année dans l'économie québécoise. C'est beaucoup grâce à l'ensemble des membres des conseils municipaux qui représentent toute la diversité municipale. Ces hommes et ces femmes, constamment à l'œuvre, sur le terrain, proches des gens, à l'écoute des besoins. Ils prennent en charge tout ce qui est nécessaire à notre prospérité. Transport, sécurité publique, protection de l'environnement, promotion de la culture, développement économique, et leur rôle dépasse aujourd'hui largement la gestion quotidienne. Ce sont de véritables catalyseurs. Ils favorisent l'éclosion de projets constructifs et durables pour leur milieu. Ils attirent la main-d'œuvre tout en ouvrant la voie aux talents et aux idées neuves. Ils encouragent l'implantation d'entreprises et les aident à rayonner au-delà de leur région. Ils doivent aussi offrir des services et un environnement de qualité tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Faire les bons choix pour l'intérêt public. En gros, c'est ça leur travail. On vit dans une ère de mondialisation, de traités de libre-échange et de réseaux numériques planétaires où les frontières disparaissent et où ce sont les villes qui portent de plus en plus le développement. L'adage « penser globalement, agir localement » n'a jamais été aussi vrai. Nos élus à la barre des municipalités forment une force d'action et de changement incroyable. Partout, les gouvernements de proximité, avec la richesse de leurs particularités régionales, sont à l'œuvre afin de bâtir durablement le Québec de demain. Et ensemble, on peut aller encore plus loin. C'est ça, l'UMQ. On voit grand.